On dit que les téléréalités vous font beaucoup rire parce que ça vous rappelle les sous-doués. Je suis curieux, mais je ne suis pas masochiste. Ah, c'est ça. Ouais. Vous pensez que vous pourriez souffrir? Oui, je pense. Oui, oui, la connerie, au bout d'un moment, c'est violent. Vous en avez déjà vu une ou pas? Oui, j'en ai vu une un peu, oui. Oui, j'ai zappé de ce... Non, là, ça suffit. Non, non, il y a des limites. C'était laquelle? Parce qu'il y en a tellement. Je ne me rappelle plus, ils étaient tous en short. Ils sont tous en short tout le temps. Et je ne sais pas, avec des filles. Et je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient. C'était une espèce de langage qui m'était inconnu. Je sais pas du tout. On a dû regarder la même, ouais. À mon avis. Ah oui, peut-être. Mais vous, ça vous fait pas rire, quoi? Ça vous angoisse plutôt? Non, ça me fait pas rire. Non, ouais. Parce que ça me fait pas rire parce que la télé. Enfin, je veux dire, quand on est en charge de s'adresser aux autres, il faut un minimum quand même de je sais pas, de conscience pour passer des messages, quoi, quand même. Revenons aux sous-doués. Oui, parce que des sous-doués. Non, d'accord. Parce que les sous-doués. Oui, d'accord. J'ai compris ce que je viens de dire. Et, mais les sous-doués, c'est une fiction. Ce que vous vouliez dire, c'est qu'il faut avoir un sens des responsabilités quand on est diffuseur. Voilà, on peut pas mettre ça. N'importe quoi à l'antenne, ouais, en fait. C'est ça, ça. Non, mais. Ouais. Mais les sous-doués. Voilà. Oui, ça. Bon, les sous-doués aussi, c'est des conneries, certes, mais classiques. Oui, mais c'est surdoué de l'audience. Hein, ah parce oui, qu'à chaque fois, c'est un vrai carton.